il y a une nouvelle qui intègre l'émission. Ah. Elle est sur C-Star. Ah. Elle s'appelle Jessie, elle est originaire du Sud. Elle a fait ses études à Nice. Comédien, hein. La nature et la beauté sont ses passions. Ah, ouais. Ah bah. Elle a été mannequin. Ah oui. Oh. Elle est toujours. Elle est aux côtés de Jimmy Buzz sur C-Star. Ah, ouais. Ah mais oui. Eh oui. Jimmy Buzz. Et les chéries, elle va intégrer l'émission. Oh. Ah. Je vous dis tout de suite, je vous dis tout. Je crois que tous les garçons l'ont vue. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur elle? Elle est splendide. C'est tout. Vous? Fraîche. Magnifique. Très belle. Très intelligente. Ah. Oh, l'hypocrite. Ah. Non, l'hypocrite. Les chéries, on va partir du principe que vous êtes tous célibataires. Je vais faire rentrer Jessie et vous allez avoir 30, entre 30 secondes et une minute pour la séduire. Ah. Okay. D'accord, d'accord. Je ne suis pas là. Faites ce que vous voulez. Et c'est elle qui choisit. C'est elle qui choisira. Lequel est celui qui a été le plus convaincant. D'accord, d'accord. Est-ce que vous voulez que je fasse rentrer Jessie? Bah, oui. Allez-y, allez-y, ouais. Les chéries, c'est Jessie qui nous rejoint. Applaudissements pour Jessie. Ça va, très bien. Ça. Salut. Jessie, tu leur tournes le dos, prends hein. Allô. Prends des fruits. Alors, là, ça va. Les chéries, est-ce que vous pouvez libérer le canapé? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Attention. Jessie, ma chérie, merci d'être avec nous. En tout cas, c'est ta première aujourd'hui. Oh. Jessie, qui est magnifique, et était très sympathique. Non, excuse-moi, tu veux pas venir avec moi? Tu veux pas venir là parce qu'on est vraiment... Non, mais tu veux pas venir là? Doua blas espagnol. Si, il y a un blanc. Non, mais viens là, ma chérie, viens là. Alors, on va envoyer le premier séducteur. Et le premier séducteur, c'est Gilles Verdez. Ah, allez, Gilles, ah, Gilles, allez, Gilles, prends-toi. À côté d'elle. Tu vas pas te mettre sur le toit. Attention. Là, je vais me faire séduire. Vous discutez, comme ça, on va apprendre plus de choses sur Jessie. Attention, c'est parti. Ça va, Jessie? Ça va, merci. Et chez vous, vous nous direz hashtag, le hashtag avec le meilleur séducteur. Deux minutes. Non, mais... Ça commence toujours comme un fait divers. Les chéries, vous allez nous dire avec le hashtag et la personne qui a été pour vous le meilleur séducteur. C'est parti. Silence. Doucement, un Gilou, hein. Chut, ah, mais non, mais ça y est, tout de suite. Voilà. T'as des yeux d'enfant comme moi. On a les mêmes yeux d'enfant. Le même regard naïf sur le monde. Il y a beaucoup de fourbes ici. Excuse-moi. Mais moi, je suis la sincérité. Jessie! Oh, Jessie! Tu sors, c'est pas bien? Non, surtout. Il faut lui demander. Est-ce que vous voulez, les chiens, est-ce que vous voulez mettre un petit cadran là-bas, comme ça on voit le. Vous voulez vous mettre là-bas? Autant t'habituer. Allez, laissez passer le cadran, s'il vous plaît. Merci, je réalise également cette émission. Merci. Attention, c'est parti. On va envoyer maintenant Benjamin Castaldi. Allez, Benji. Allez. Sois bon, hein. Oui. Fais-nous honneur. L'habitude. Allez, on y va et on va en apprendre un peu plus sur Jessie. Bon, Jessie, c'est vrai que on se connaît déjà. Oui. Parce que, parce que tu as eu la chance de garder un petit garçon qui s'appelle Enzo. Oui. Qui est mon fils. Exactement. Tu as été sa nounou. J'ai été babysitter du fils de Castaldi. Ouais. Et ta femme, elle a rien dit? Bah, j'étais plus avec elle, j'étais divorcée. Flavie. C'était Flavie. Ah, c'était Flavie. Ouais. À cette période-là, lui était aux États-Unis, donc je l'ai pas croisé, j'ai jamais croisé. Ouais. Et voilà, donc il a su après que j'étais babysitter de son fils. C'est déjà qu'il est choisi sur photo, c'est babysitter. Donc je connais déjà la famille. La famille, voilà. Donc déjà, on a déjà fait un bout de chemin ensemble, oui, quelque vrai. Part. Oui. Et bon, c'est vrai que je suis un grand connaisseur dans tout ce qui est mariage, divorce, wedding planner, organisation, choix de la robe. Oui. J'en ai déjà trois déjà que je pourrais. D'accord. Ta vie, on s'en fout. Voilà. C'est la vie de Jessie. Donc. Quelles sont tes passions dans la vie, Jessie? J'en ai tellement. Oui. Ouais, la première, je pense que c'est l'être humain. L'être humain me passionne. Ah, c'est vrai, l'être humain. Ouais. Alors, Jessie, quel est l'être humain, par exemple, ici, qui te passionne le plus, a priori? Franchement. Qui me passionne le plus. Qui t'intéresse le plus, qui te trouve t'intrigue. Le plus. T'intrigue. Qui t'intrigue le plus, c'est peut-être Gilles Verdez, je pense, non? Psychologiquement, ouais, ça se joue entre Jean-Michel et Gilles Verdez. Je pense aussi. Un suivi psychologique peut être intéressant. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, allez-y, moi. Et quel est ton type d'homme? J'en ai pas vraiment. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je me laisse un peu aller suivant mon feeling, les énergies, tout ça. Rien contre les décolorés? Non. Très. Ça dépend après. Ça dépend après. Ouais, ouais. C'est pas mal, c'est non, pas c'est mal. Pas allez, là, c'est merci, pas bravo Benjamin, c'est pas mal. Benjamin, il était mal. Allez, on va maintenant. Il en perd. Moi, je pense qu'on va demander à Maxime Guény. Maxime Guény. J'aime bien côté moi. Attention. Moyen-Âge, première. À Moyen-Âge. Là, les chéries, vous qui nous regardez, ça va draguer à l'ancienne. Et Jessie, elle nous dira après.
Elle nous dira à chaque fois celui qu'elle élimine tout de suite, elle en gardera un. D'accord ? Sans le poème. Tu t'appelles Jessie, c'est ça ? Ouais. Jessie, mais pas avec un Y. Moi, James. Avec IE, c'est ça ? Ouais. Ça fait longtemps qu'on t'appelle comme ça ? Toujours depuis ma naissance, c'est IE. Ah, c'est pas un surnom ? Non, pas du tout. Excusez-moi, la première. Non, attendez. Tu t'appelles comme ça ? La première question du gars, il lui demande, comme si vous étiez avec une meuf, tu t'appelles Delphine ? Ça fait longtemps que tu t'appelles comme ça ? Depuis ma naissance, connard. Non, mais voilà. Donc voilà, déjà, première bonne question. On y va. Alors, ça pouvait être un surnom, peut-être, de scène. Si IE à la fin et c'est enfin j'ai été conçue aux États-Unis donc je pense qu'il y a eu une influence franco-américaine alors. Ouais mais je suis née à Cannes. How do you do? Il est pas con. Fine. You feeling good? Yeah, very nice good. Nice to meet you. It's a pleasure to be here tonight. We're going to do it in English right now. Les gars. Non mais tu peux pas faire ça frérot. Si, quand même l'échange verbal, les jeux de langue, c'est toujours quelque chose qui peut rapprocher les gens. Ouais. Allez, il te reste 10 secondes. Et je crois qu'on a un point commun. Tu aimes la spiritualité. Oui. C'est ça ? Énormément, oui. Donc tu fonctionnes à l'énergie. Exactement. C'est ça, tu ressens les gens. C'est ça. Et là, tu ressens l'équipe ? Énormément, ouais. Ouais. T'es contente d'être avec nous, Jessie ? Bah, évidemment. Ouais. C'est un bonheur. Aussi. On est très content de te voir. Voilà, je te merci. C'est vrai. Le plaisir de partager, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. C'est bon, il a été mauvais. Alors, il y a le producteur de l'émission qui me dit il n'a pas été mauvais. Attention, apparemment, il n'a pas vu la même séquence que nous. Allez, il reste deux séducteurs. Et là, pas des moindres, je pense, Jean-Luc. Ouais, je me prépare. Jean-Luc, est-ce que tu es prêt? Allez, on y va. Jean-Luc, là, normalement, on upgrade. Et après, on terminera, bien entendu, par la catastrophe industrielle. C'est le bachelor. Franchement, si j'avais su comme ça. Alors. Alors, Jessie, déjà, je vais essayer de ne pas faire un entretien d'embauche comme Maxime Guéni. Merci. Non, Jessie, j'ai pas envie de jouer de la flûte comme tous les autres. Mais ça fait quoi? Ça fait six ans que je fais l'émission. Oui. Et je crois que c'est la première fois que je comprends pourquoi je suis là. Il est fort. Sympa pour les autres. Voilà, ça donnait un sens un petit peu à ma part. Quelqu'un qui n'avait pas joué de la flûte, bon. À l'émission. Et en plus, depuis que je sais que t'as été babysitter, je me sens devenu petit garçon. Cerise non, sur le gâteau. Non, on n'est pas encore ensemble. Voilà, donc je sais pas ce que tu comptes faire, mais si tu voulais revivre ce que t'as vécu avec Enzo, mais j'aimerais bien que tu me protèges d'abord, et après je pense que je te protégerai bien. Oh, c'est pas mal. Et attention maintenant, la lourdeur. Si vous nous rejoignez, on a une nouvelle dans l'équipe qui s'appelle Jessie, qui est très sympa et qui speed a rendu dating. Tous les chroniques. Ouais. Voilà. Et on a le bois avant. Allez, donne-moi ça, t'es dégueulasse. Allez, vas-y. Bah, c'est tu dégoûtes tout le monde. Allez, pour pas avoir la bouche pâteuse. Mais tu dégoûtes tout le monde. Pour donner de la pulpe, oui. Jessie, je vais pas te mentir, le physique est très important pour moi. Et franchement, tu es sublime. Tu as des yeux, un visage voilà, qui est expressif et puis en même temps très sensuel. Donc c'est très important pour moi. Tu n'as pas de défaut. Mais c'est vrai que j'y attache beaucoup d'importance. Et rien que pour ça, déjà, j'aurais envie de te draguer. Mais rien qu'en discutant un peu avec toi, j'ai l'impression qu'il y a au-delà de l'image, voilà, une sensibilité que j'ai aussi, mais personne ne découvre chez moi parce que je pense que tu souffres aussi de ta beauté. Et moi, je souffre de mon personnage et de mon image. On va en parler tous les deux. Ouais, d'accord. Donc si toi, tu as envie de voir ce qu'il y a derrière l'image un peu dégueulasse et de voir l'homme. Est-ce que tu as envie de construire? Moi, franchement, j'ai envie de me poser. Regarde, je te propose pas de te poser tout de suite, mais si tu veux qu'on discute, fais-moi un verre, qu'on se marre. Voilà, parce que je trouve que l'humour, c'est très important. Oui. Voilà, qu'on se marre, on passe des bons moments, on fait un pique-nique, n'importe quoi, on se marre. Et voilà, ici, le courant passe. Et voilà, et moi, en tout cas, je te promets que si un peu d'intérêt pour moi, je regarderai plus aucune fille, je regarderai plus que toi. Et c'est pas mal, hein. Alors, c'est pas mal. Il me touche. Je m'y attendais pas, franchement pas mal. Ouais, non. Alors, venez là. Il est où Gilles Verdez? Il a disparu? Il a dépression, Gilles. Attention. Jessie, déjà, tu vas devoir en éliminer un direct. Qui élimines-tu en premier? Vous pouvez retourner là-bas. Non, mais je voudrais pas le comparatif, c'est pas trop négatif pour moi. Le avant-après, là. Je suis désolée, Gilles, mais ça m'a pas. Non, j'ai pas été. J'ai éliminé. Oui, vous êtes éliminé. Vous pouvez aller sur le plateau, allez-y. Tu t'en doutes quoi? Je ressors, ce que j'ai pensé. Qui est-ce que vous éliminez maintenant en deuxième? En deuxième, Benjamin. Benjamin. Pour quel motif? Propreté. Marié. Ben, pas assez séducteur, et puis là, il m'a pas beaucoup posé de questions, on n'était pas dans un échange, et on a plus. Enfin, voilà, je sais pas. Surtout, j'aime ma femme. Voilà, ah ouais. Allez, merci. Voilà. Allez, voilà. Sur bon argument. Monsieur le premier degré, ça va. Monsieur le premier degré. Exactement.
Oh, le mec à l'air en plus. Non, mais là, on a trois styles. Vraiment, oui. trois styles pour une ah, place. Oui, complètement. Allez, vous avez après, moi, j'ai été convaincue par Jean-Luc. Hein, ça a été le ouais, au niveau du phrasé. Je suis très sensible à la littérature française. Et donc, quand on sait s'exprimer, voilà. Bah là, le phrasé était pas mal. Jean-Michel, à mon avis, il est mort. Alors, on en est Jean-Michel, touchant. Voilà. Donc, vous avez éliminé Ben, ah, bah là, ouais. Bah ouais. Bah ouais, Maxime, ouais. ouais. Vous éliminez Maxime ? Ouais. Maxime, tu peux pas dans le plateau, t'as quelque chose à dire ? Je te remercie. Non, tu sois digne par son rien. Merci. Alors, et maintenant, ça se joue entre Jean-Luc et Jean-Michel. Eh, franchement. Je rappelle quand même que Jean-Michel, c'est le seul célibataire des deux. Mais non, mais c'est tout vu. Non, non, mais c'est tout vu pour moi, parce qu'il est hors de question que ça soit Jean-Michel. Non, non, mais c'est. Ah, d'accord. Ah, tu préfères nos maris. C'est Jean-Luc. Ah bon ? Tu lui laisses pas une chance ? Non. Pourquoi ? Ah, mais j'y crois pas. Non, non, ça sent le mensonge. Ouais, non. Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez à dire à Jessie ? Qu'elle fait, je respecte son choix, mais qu'elle fait une grosse connerie. Qu'est-ce que t'entends par que... Bah c'est dommage, c'est dommage de pas prendre le seul qui est célibataire et de prendre un homme marié. Qu'est-ce que t'as voulu parce dire que t'es pas vraiment... Oui, t'es célibataire, mais bon, voilà. Et quand tu me dis, je te promets, j'en regarderai une autre, plus aucune autre. Ouais, j'en regarderai plus aucune autre, je n'y crois pas. Et Jessie. Est-ce que c'est un choix définitif ? Non, mais non. Jean-Luc et Jessie, est-ce qu'on a Giovanni en ligne ? On a Giovanni. Giovanni, est-ce que t'es là, Giovanni ? Ah oui, je suis là, mon baba, ça va ? Ça va et toi, mon chéri ? Est-ce que ah tu... bah super, est-ce que tu apprécies Jessie ? Génial. Est-ce que tu apprécies la nouvelle, Jessie ? Ah oui. Elle est super belle. Et elle est très intelligente et très sympathique. Merci elle beaucoup. Va faire sa première émission dans un instant. Est-ce que tu es content de ce couple, Jessie, Jean-Luc ? Bien sûr, pour l'instant, c'est un couple d'amitié. D'amitié. Ah bah oui. Bah, puis Jean-Luc, c'est vraiment un séducteur de folie. Giovanni, en fait j'avais un jeu à te faire, mais comme on n'a plus le temps, je t'offre tout de suite un smartphone. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est d'accord mon chéri. Et je rajoute la corbeille de fruits entamée. Voilà, d'accord. C'est pour nous, c'est cadeau. Jean-Luc et Jessie, bravo, j'arrive bravo, vous fassiez bravo, le bravo. Bisou de l'amitié. Bravo, bravo. Bravo. Eh ben je prends, bah, c'est pas bravo. Grave. Bravo, très bon choix. Allez-y, partez tous les deux. Partez tous les deux. C'était mouvant. Oh là 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 là. Sur la. Je pensais pas que ça irait si vite pour moi. Ah oui, mais ça va très vite. Ils sont très beaux les deux. Hein. Sur ma vie, je lui ai fait une passe décisive. Frère, une passe, mais sans rigoler. Hein, frère. Non, mais non, une passe décisive, frère. Bam. Il a déjà vu une passe décisive comme ça. Et il me dit rien. Oui. Effectivement, j'aurais pas dû me mettre en salopette. Oui, excusez-moi. Est-ce que tu peux aller me vérifier les niveaux ? On se retrouve tout de suite sur le plateau. Les chéris, on se retrouve tout de suite. Ça va être la folie. Je vous le dis.